et haïr la même personne. Cela fait-il de nous des personnes schizophrènes, ce qu'on souhaiterait éviter? La psychanalyse, notamment par l'approche de Freud, nous dit un peu ça, entre guillemets. Ça peut nous faire peur, entre guillemets, mais est-ce vraiment juste? Par exemple, quand nous commençons à aborder le langage, notamment par les images et le mot, M-O-T, on nous montre une image et la maîtresse ou le maître ou la mère ou le père nous dit ce que c'est. On nous raconte aussi des contes de fées, par exemple, Bettelheim, dans son livre, notamment sur les contes de fées. Les contes de fées au risque de la psychanalyse de Bruno Bettelheim nous fait cette approche un peu particulière d'un monde où les bons seraient bons et les méchants seraient méchants. Ce qui n'est pas peut-être tout à fait juste, en ce sens qu'une personne peut dire une parole juste et un autre jour nous faire de la peine, entre guillemets. C'est vrai que c'est problématique. Par exemple, les sitcoms ou les feuilletons télévisés s'inspirent des contes de fées. La garce est vraiment méchante pour son personnage. Le bon est vraiment altruiste, il est vraiment bon dans son personnage. Il ne change pas de personnage. Mais est-ce vraiment ce qu'il en est? Ça, c'est un monde de référence. Et je pense que nous avons besoin d'un monde de référence pour nous comparer peut-être, quoique. Si l'on était logique avec nous-mêmes, nous serions à peu près toujours égales. La respiration serait sensiblement la même. L'intonation de notre voix, VOX, serait à peu près la même. Notre structure mentale suivrait son chemin, avancerait tranquillement, progressivement, de façon heureuse, tout le temps. Mais en est-il de même dans notre société actuelle? Bien sûr, on pourrait répondre par la négative, hélas. Mais c'est vrai que cette référence à des personnages illustre bien que nous, en Occident, nous marchons un peu dans un sens de caricature. Et on peut se demander qu'en est-il dans les autres cultures? Par exemple, pour Freud, le complexe d'Oedipe est quand même particulier. Le petit garçon fait l'amour à une femme et apprend par la suite que cette femme, c'est sa mère. Donc, il est dans une ignorance et il le fait souffrir en rétrospective. Bon, c'est vrai que le côté un peu relation fils et mère est souvent privilégié dans notre conception occidentale, comme le côté relationnel entre la fille et le père. Par exemple, lors d'un mariage, c'est la mort symbolique du père. Le père rentre au bras de sa fille, ou la fille rentre au bras de son père dans l'église. Il semble qu'on le tue, ce père, puisqu'il n'existe plus à la sortie, puisque la fille est ressortie au bras de notre homme, celui de son mari. Donc il y a un assassinat, un meurtre de société qui existe dans notre société occidentale, le meurtre du père, entre guillemets, lors d'un mariage, par exemple. En 2006, à Salon de Provence, à la campagne, voilà, aujourd'hui, la patrouille de France s'est tue, c'est une bonne chose, c'est la fête du travail, donc on chôme.
comme un dimanche, pourquoi pas peut-être, on regarde en arrière un petit peu et on regarde ce qu'on a fait dans la semaine. Mais pour regarder ce qu'on a fait en arrière, il faut savoir s'arrêter. Voilà, donc un compromis entre la psychologie, le social, l'historique et l'économique pour l'ici, s'adapter dans le présent, est une façon de voir aussi le monde, une façon peut-être cataloguée comme philosophique, certes, mais une façon de voir le monde serein, plutôt heureux, plutôt en bien-être. Voilà, je vous remercie de l'écoute. Et puis, pourquoi pas avoir un peu votre sentiment ou vos avis sur les thèmes abordés lors de ce film. Pourquoi pas vous rencontrer un jour.